Ça tourne. Bonjour les enfants. Notre sujet est... On va travailler sur le bouddhisme. Je refuse, je suis musulman. Bah moi je suis hindouiste. Désolée, mais dans cette école laïque, toutes les leçons doivent être apprises. Car dans l'article 12, il est écrit que toutes les leçons doivent être notées, même si ce n'est pas votre religion. Merci monsieur le professeur. Bravo. Présentation. Alors, Jawed élève, Hamza élève, Hugo professeur et Cyril proviseur. Je pratique ma religion, pas la tienne. Non, car l'article 3 dit que la laïcité permet à chaque élève de choisir une religion ou non, de la pratiquer, toujours en respectant les autres et la loi de la République. Excuse-moi, mon frère. C'est bien. Bravo. Dans le rôle du professeur, donc. Dans le rôle des élèves. On peut les applaudir. Allah est grand! Non, Jésus est grand! Non, wow, calmez-vous, vous n'avez pas le droit de montrer votre religion. Oui, d'après l'article 3 de la charte de la laïcité, vous n'avez pas le droit de parler de votre religion dans un établissement laïque. Mon frère, c'est une bonne. Mathéo élève, Elias élève, Amine élève, Théo professeur. Bravo à eux. Bravo à vous. Bonjour les enfants, aujourd'hui on va vous parler d'un pays qui est en islam. Pourquoi la musulmane? Et toi la chrétienne avec ta croix là? Tu te crois mieux avec ton voile? Bah moi au moins j'ai pas une croix que les autres. Mais t'arrêtes même pas à parler. Oui. Bravo à elle, bravo les filles. Parce que c'est écrit. Comme ça. Bon, nous allons parler. Bravo. Présentation, on peut les applaudir. Allez. Paul, prof
professeur. Mathis, principal. Dany, élève catholique. Mathis, élève musulman. Merci les gars. Bonjour. Bonjour, je voudrais de l'argent pour ma religion. Ah mais je n'ai pas le droit de vous donner de l'argent, madame. Pourquoi? Parce que dans l'article 2, c'est écrit. Et c'est la loi qui commence. Excusez-moi de interrompre ça, madame le maire. Sauf que il est écrit dans l'article 2 que dans la République laïque, les États ne donnent pas de l'argent aux églises chrétiennes, juives ou musulmans. L'État ne doit pas donner son avis sur les croyances ou les religions citoyennes. Désolée. Au revoir quand même. On peut les applaudir et ensuite vous allez vous présenter. C'était bien. Alors, Amandine, c'est le maire. Moi, je suis l'assistante du maire. Et Lauriane est musulmane. Une école primaire et voici un professeur qui explique à ses élèves ce qu'est la laïcité. Alors, as-tu compris ce que c'était, Marie-Claudine? Oui, mais pourquoi on ne doit pas montrer sa religion? C'est important de ne pas montrer sa religion pour éviter les provocations. Tout le monde est égal. C'est la laïcité. Alors, as-tu compris? Oui, madame, mais c'est l'article combien déjà? C'est l'article 12. Merci. 12. Ah oui, pardon. Les élèves ont appris qu'il ne fallait pas montrer sa religion dans les lieux publics ou laïques. On peut les applaudir. Et elles vont se présenter. Alors, la présentation, on y va? Alors, moi, c'est la professeure. Marie-Claudine, qui est Alicia, c'est une élève. Et le narrateur, Anaïs. Merci beaucoup. Nous sommes dans une école primaire et voici un professeur qui explique à ses élèves ce qu'est la laïcité. C'est un petit. Top. Vas-y. Man qui demande. D'accord. Mais oui, mais elle l'a pas fait. Oui, c'est pour ça. Attendez. Ça tourne. Donc, moi je suis prof, proviseur, lui élève et. Refaites vos prénoms, voilà. Mathis, Dany et Baptiste. Recommencez depuis le début, vous dites le prénom et ensuite le rôle, d'accord? Paul, je suis professeur, Mathis proviseur, Dany élève catholique et Baptiste élève. C'est fini?